Salut les amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Donc toujours consacrée à ma sélection, donc là ce sera la dernière vidéo. Donc là ce sera mes leurres plongeant, coulant et mes digues. Donc pareil, très compliqué de choisir. Donc j'ai choisi certains modèles avec lesquels je n'ai pas fait de poisson, d'autres avec lesquels au contraire j'ai déjà fait du poisson. Donc ici c'est un petit coffret que je prends soin, que j'avais acheté sur AliExpress. Avec 5 leurres dont je change régulièrement les tripes et tout ça. Je sais plus combien j'avais acheté ça, je crois 20 ou 25 euros. Parce que là, ceux-là, c'est les vrais en fait, hein, ils sont signés. Je sais pas si on voit, voilà. Et après, il y a les copies aussi que j'avais acheté sur AliExpress. Donc voilà, les 5 premiers. Donc ce coffret-là, je le prends toujours. Ensuite dans les mêmes ici j'ai pris un coloris rose un peu violet ici qui n'a jamais eu de résultat, enfin je sais plus s'il y a eu du résultat, mais s'il y en a eu c'est pas beaucoup, donc pour insister avec celui-ci, donc on verra bien. Et ensuite j'ai pris 3 coloris assez naturels qui fonctionnent assez bien, donc on verra bien au bord de l'eau en fonction de la teinte de l'eau, tout ça. Donc voilà, c'est naturel ici. Et un nœud ici légèrement plus petit. Voilà. Très sympa. Voilà. Ensuite, j'ai pris un leurre de chez Decathlon. Ici. Sur lequel j'ai eu des beaux résultats. Donc on verra bien. Pareil, j'en ai plusieurs. Là, j'en ai pris qu'un. Ensuite. bon, après, avec les noms et tout, hein, vous savez que je suis pas trop balèze hein, dans les noms, tout ça. Je vois ce que c'est, je sais ce que c'est, hein, mais j'ai pas la tête hein, pour retenir ça. Ici, hein, je sais que c'est l'imitation, méga vision, je sais plus trop quoi. Donc voilà, j'ai pris ce coloris-là. Voilà. Là. Ensuite, ici, j'ai pris un leurre imitation macro ici. Voilà. Qui sera à peine sur la surface de l'eau. On verra bien. Ici, un grand plongeur, un leurre de chez Decathlon, qui fonctionne très bien, que j'ai depuis des années, qui m'a fait je sais pas combien de poissons. D'ailleurs, on le voit, il s'est fait cartonner. À chaque fois que je le prends, à chaque fois je fais du poisson celui-là, donc on verra bien. Ensuite, j'ai pris un leurre comme ça pour essayer. On verra ce que ça donne. Ensuite, un leurre que j'aime bien utiliser sur le bar. Voilà, très sympa. J'ai plusieurs coloris, là j'ai juste pris celui-là, imitation un peu sardine. On verra bien. Ensuite, ça c'est fait. Là, j'ai pris deux petites crevettes ici, un coloris assez naturel. Enfin, deux coloris même assez naturels, on va dire. Voilà, on verra. Ensuite, ici, j'ai pris un crank. Pour essayer de prouver aux personnes qui disent que les cranks ne sont pas faits pour le bar. Croyez-moi que dans les ports, s'il y a du bar, les cranks, ça fonctionne très bien, même sur la dorade. Donc voilà, si je pêche dans des petits ports ou quoi, bah, j'essaierai de vous montrer que le crank fonctionne très bien sur le bar. Donc voilà. Avec une grande bavette. Après j'ai pris celui-là parce que c'est un coloris qui m'a déjà fait du bar, celui-là, donc voilà. Ensuite, celui-ci que j'avais commandé sur AliExpress. Le Sparrow, ben, je sais pas trop. Hein. Pour ceux qui connaissent, je l'avais déjà en vrai et j'avais aussi... un autre modèle que j'ai perdu au fond de l'eau. Je sais que ça a un coloris qui fonctionne. C'est une tuerie ce leurre. Là c'est la copie. Donc je ne sais pas ce que ça vaut. Mais même avec la copie, hein, j'ai vu des vidéos, ce leurre il cartonne quoi. Donc
pour ma part, enfin, la copie pour ma part, ce sera la première fois qu'il ira à l'eau. Le vrai chez qui cartonne, donc celui-là on verra bien. Ensuite, ici, une valeur sûre, l'artiste de chez Jackson. On le présente plus. Voilà. Ensuite, en leurre coulant ici, un leurre articulé ici, qui a déjà fait ses preuves. On le voit, il est déglingué. Donc voilà. Et j'ai pris un deuxième coloris aussi, assez sympa, pour essayer. On verra bien, en quatre articulations. Donc là, vous lancez, il coule. Enfin, vous choisissez votre profondeur de nage, quoi. C'est plutôt pas mal. Ensuite, dernier leurre, après ce sera les lames et les jigs. Des leurres ici, coulant, bah pareil, hein, vous lancez, vous choisissez votre profondeur de nage. Mais je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur, donc à l'arrière ici, il y a deux billes et ils sont bien lestés, il y a deux plombs. Ils sont assez lourds et ils se lancent assez loin, donc c'est assez sympa. Donc là, coloris naturel. Et coloris un peu plus flashy ici. Et au moment où je les ai achetés, moi, chez le vendeur, sur AliExpress, il y avait que ces deux coloris. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de coloris. Notamment coloris Marlboro, même Figer Tiger, il y a plein d'autres coloris. Donc, prochaine commande que je referai, ben, on verra quoi. Moi, pour le moment, c'est pas la priorité, on va dire. J'ai d'autres choses à acheter avant ça. Ensuite, j'ai pris petite lame ici. Voilà, j'en ai pris une comme ça. Et une comme ça. Il y a d'autres lames que je vais pas vous montrer là, que je dois prendre. C'est parce que les caisses, ils sont tout derrière, dans le fond, ici en bas. Je dois tout retirer les cannes et tout pour y avoir accès. Donc, il y aura d'autres lames que j'ai reçues récemment sur AliExpress. Et d'autres que j'ai achetées dans les magasins. Mais tout est dans un plastique derrière. Et également, quelques cuillères pour le bar, assez sympathiques. Donc, en jig, j'ai pris en 21 grammes ici, comme ça. Après pareil, j'ai plusieurs coloris, là j'en ai pris deux. Voilà. Et là, récemment j'ai été chez Nordic Pêche. Et j'ai acheté plusieurs modèles. Là je vais en prendre trois avec pour les essayer. Hein, j'ai acheté une dizaine de modèles, mais là je vais en montrer trois. Que je vais utiliser dans les prochaines pêches qui vont arriver. Là ici j'avais payé 6,85€. En plus il y a le cash pour les trips, donc c'est plutôt pas mal. Regardez le coloris, il est magnifique. Donc en 28 grammes celle-ci. Donc voilà, et donc 6,85€ hein, chez Nordic Pêche. Donc franchement elles sont magnifiques, et là celle-ci elle est 10 centimes plus chère, donc 6,95€, donc en 28 grammes toujours, coloris macro là comme ça, assez sympa, donc on verra ce que ça donne. J'ai acheté d'autres modèles, hein, je vous les présenterai plus tard, hein, j'ai acheté une dizaine de modèles différents. Et j'en rachèterai la prochaine fois que j'irai au magasin là-bas. Parce qu'il y a vraiment de très très beaux produits. Donc voilà. Et j'en ai acheté une petite de 12 grammes. Alors je pêche rarement aussi léger avec du jig. Donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut. D'habitude, c'est 20 grammes moi minimum que j'utilise. Et plus après. Donc là c'est du 12 grammes, donc c'est un coloris argenté, violet comme ça, avec un hameçon simple. Pareil, c'est une première pour moi. D'habitude je pêche toujours en triple, avec des hameçons triples. J'ai jamais essayé ces modèles avec hameçon simple comme ça, donc ça va être une découverte pour moi. Je sais pas du tout si on prend plus ou moins de poissons du fait qu'il y a juste un hameçon. Mais après, bon, si c'est vendu, j'imagine que ça fonctionne. Hein. Donc là, 12 grammes, 4,20€.
chez Nordic Pêche toujours, donc pas cher, pareil, j'ai pris plusieurs coloris. Mais là, je vais tenter celle-là. On verra bien ce que ça donne. Donc, ben, je crois qu'on a fait le tour. Et puis, bien évidemment, j'aurai des montages avec des anguillons et des raglous, bien entendu. Et puis, ben voilà, comme ça, vous avez toute ma sélection de tous les leurres, leurres souples, leurres durs, leurres de surface, digues, qu'on va utiliser dans la prochaine pêche. Dès que le temps le permettra. Après, dites-moi si ça vous intéresse aussi que je fasse ma sélection pour les leurres pour le brochet, le cendre qui vont arriver cet hiver. Et si ça vous intéresse aussi que je fasse mes montages à bouchons avec les câbles en acier et tout ça, dites-moi pour ceux que ça intéresse. Je l'ai déjà proposé plusieurs fois dans plusieurs vidéos, mais vous n'avez pas répondu, donc je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas. Mais ce que je ferai au pire, c'est que je le ferai quand même. Donc voilà. Que dire de plus? Bah, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour? Ouais, on a fait le tour. Donc, bah, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air. On s'abonne. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.